Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de gagner de l'argent facilement sur Internet. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, comme je disais tantôt, dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de gagner de l'argent facilement sur votre compte OneSuite. Donc, c'est une astuce que j'utilise très souvent et une astuce qui entre vraiment à merveille et j'ai décidé de vous la présenter aujourd'hui. Et vous avez constaté que la voix de la vidéo est un peu élevé. Donc là, je tiens juste à vous informer que je viens de m'acheter un nouveau micro. Donc, dorénavant, les vidéos n'auront plus de problème de son. Donc, comme je disais tantôt, une fois que vous êtes sur votre compte OneSuite comme ceci, ce que vous allez faire est très simple. Vous allez venir dans Paris Sportif. Oui. Donc, vous sélectionnez juste l'événement que vous voulez. Donc, par exemple, moi, je vais descendre. Je vais prendre le match de Real Sociedad ou encore je vais prendre le match de Séville. Ouais, je vais prendre le match de Séville comme ceci. Vraiment, c'est une astuce incroyable qui marche parfaitement. Vous pouvez aller l'essayer et vous-même, vous allez confirmer. Donc là, on a un petit problème de connexion. Voilà, un petit problème de réseau. Donc là, je vais descendre. Une fois que vous êtes à ce niveau, si vous allez descendre. Et en passant, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, une fois que vous descendez, vous allez venir ici. Vous descendez comme ceci. Donc, regardez très attentivement. Parce que c'est une astuce vraiment qui marche très bien. Donc, je vais descendre, je vais continuer à descendre. Voilà. Vous voyez, à ce niveau-ci, c'est écrit « but de la tête ». Mais là n'est pas l'option. Là n'est pas l'option. Ce que vous allez prendre ceci. Vous voyez ? But depuis l'extérieur de la surface de réparation. Vous voyez? Donc pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, je vais vous expliquer clairement dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, clairement de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on dit but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Donc, comme exemple, je vais venir dans un match qui a déjà débuté, comme ceci. Donc, je vais venir par exemple dans le match de Séville, comme ceci. Là, je vais venir dans le match de Séville ici. N'oubliez surtout pas de vous abonner en passant, comme je disais tantôt, et d'activer la cloche de notification pour m'encourager et pour bénéficier des meilleures vidéos de pronostics, donc des vidéos de meilleures astuces qui vous montrent comment gagner sur OneSuite facilement. Donc, comme je disais, je vais prendre un match qui a déjà débuté ici. Je vais prendre cet événement-ci. Là, c'est pour mieux vous expliquer. Pour ceux qui veulent rejoindre mon canal Telegram, le lien se trouve tout juste dans la description de la vidéo. Vous cliquez juste sur le lien qui se trouve en description pour rejoindre mon canal Telegram. Et pour ceux qui veulent créer un nouveau compte, vous pouvez utiliser l'un des codes promo dans la description. Voilà, je vais vous montrer exactement de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on dit « but depuis l'extérieur de la surface de réparation ». Une fois que vous êtes comme ceci, voilà. Voici ce qu'on appelle la surface de réparation ici. Vous voyez ceci. C'est-à-dire le cadre. Donc je vais mieux vous expliquer. Vous voyez ce cadre ici, c'est ce qu'on appelle c'est-à-dire le cadre du gardien, c'est ce qu'on appelle la surface de réparation. Maintenant, lorsqu'on dit vu depuis l'extérieur de la surface de réparation, ça veut dire quoi? Aucun joueur ne doit marquer depuis. Oh, donc tant qu'un joueur n'est pas dans le cadre du gardien, si par contre, une marque, par exemple, disons, on va prendre l'exemple d'ici. Je vais effacer comme ceci et je vais prendre la flèche. Si un joueur se positionne ici et tire le ballon dans le goal et que le ballon a ancré dans le goal, le ticket est perdant. Vous voyez? Donc, d'ici à là, le ticket est perdant. Si le joueur tire d'ici à là, le ticket est perdant. Donc, pour que le ticket soit gagnant, il va falloir que le joueur puisse être dans le cadre. Vous voyez? Dans le cadre. Donc, c'est pour ça qu'on dit depuis l'extérieur. L'extérieur, c'est ici. Vous voyez, partout, c'est dehors, c'est ce qu'on appelle. Là, c'est l'extérieur. Maintenant, lorsqu'on dit non, ça veut dire qu'aucun joueur ne doit marquer depuis l'extérieur. Tant que le joueur est à l'intérieur de ce cadre-ci, vous voyez, ça va passer. Donc, là, vous pouvez constater également que. Là, vous pouvez constater ici. Donc, je vais effacer ceci. Là, vous constatez que le cadre est petit.
Mais lorsque vous allez regarder exactement dans les goals, c'est-à-dire que lorsque vous allez bien regarder les goals, lorsque vous allez bien regarder en réalité, vous allez constater que ce cadre-ci est vraiment grand et vous allez constater que la majorité des buts, ce n'est pas facile qu'un but qui d'ici arriver à là, excepté si le gardien est mouilleur, vous voyez. Donc vraiment, c'est une astuce vraiment qui marche très bien en dehors de ça. Moi, je l'ai joué plusieurs fois et j'ai gagné toujours, vous voyez. J'ai joué plusieurs fois et j'ai toujours gagné. Donc, pour cela, j'ai décidé de vous montrer cette astuce. Donc, pour ceux qui peuvent jouer, vous pouvez jouer. Je vais encore vous remontrer la même astuce où ça se trouve exactement. Donc, lorsqu'on dit but depuis l'extérieur de la surface de réparation. En passant, n'oubliez surtout pas de vous abonner, comme je disais tantôt, et d'activer la cloche de notification. Donc, vous descendez seulement. Vous descendez. Voilà. Descendez. Donc, là, je vais remonter. Je vais remonter. Voilà, ici. Donc, à côté du but de la tête. Vous voyez, mais voici l'option qui se trouve but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Vous voyez, par exemple, je clique ici. Vous voyez ici la cote à 1,27. Donc, c'est vraiment une astuce qui marche très, 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 très bien. Ok. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, on se prend à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.